Bonjour à tous sur Casman.fr. Là, je fais une vidéo. Je devais vous faire plusieurs projets. Je devais créer des projets et des vidéos et des tutos sur mon site internet, mais actuellement, j'ai très peu de temps libre. Donc, je vais vous faire quelque chose de rapide en vous montrant mes idées, en vous donnant mes idées de ce qu'on peut faire. Et comme toujours dans mon but, hein, c'est de récupérer, réutiliser ce qui est toujours utilisable et qui fonctionne, ou de réparer ce qu'on peut toujours réparer. Donc je reviens toujours sur cette chose-là. Pour moi, quand on va dans ce sens-là, c'est pour protéger notre planète et qu'on évite de rajouter encore des déchets. On en fait déjà assez individuellement et chaque jour. Voilà. Donc le but, c'est de récupérer du matériel informatique un peu partout. Là, j'ai pas pris une alimentation ATX, mais vous pouvez la prendre pour faire ce projet, ces projets-là. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour récupérer et pour réutiliser des lecteurs CD-ROM, DVD, des graveurs de DVD externes à la place d'en acheter un. Vous avez souvent ce qu'il faut à la maison. Soit vous démontez celui d'un vieil ordinateur que vous n'utilisez plus ou qui est en panne. Soit une tour PC, donc avec un lecteur graveur de DVD. Là, c'est un combo lecteur graveur. Mais il est très vieux, j'en ai d'autres. Ici, vous avez pareil un lecteur de DVD d'ordinateur portable. Donc, c'est un lecteur qui grave et qui peut lire tous les types de formats. Donc, je vais vous montrer ce que je peux faire et ce qu'on peut faire avec ce genre de matériel. Ça n'a rien à faire ici. Ouais, d'accord. Donc j'enlève ça. Ok. Voilà, je commence avec la chose la plus simple. J'enlève ça pour l'instant. C'est des projets que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'il faut créer le boîtier 3D, il faut faire la vidéo et j'ai vraiment pas le temps. Quand j'aurai le temps, je ferai tout ça pour moi et pour vous-même. Donc actuellement, ce qu'il est possible de faire avec des genres de boîtiers comme ça, hein, pas forcément cette marque, mais n'importe quoi comme boîtier, même en premier prix, vous avez des boîtiers qui permettent de lire, de connecter des disques durs. Donc des disques durs SATA ici, voilà, ou des disques durs IDE basiques standard, comme mon lecteur ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai des vieux boîtiers, moi. Celui-là, c'est un neuf que je ne vais pas utiliser, bien sûr. Mais j'en ai des plus anciens où l'alimentation a cramé. C'est ce qui arrive souvent. L'alimentation est HS. Donc, on reste avec une carte électronique fonctionnelle. Donc, ce qu'il suffit de faire à ce niveau-là, c'est de démonter cette carte électronique, de l'enlever de son boîtier, puisque là, ça ne nous servira pas. Donc, cette boîte électronique, on la démonte. On utilise tous les types de câbles qu'on a sous la main. Souvent, les kits sont livrés, voyez, avec des câbles, ou vous en avez vous aussi. Donc, on connecte ici directement. On connecte l'alimentation, soit ce genre d'adaptateur qui va sur cette carte-là. Donc, voyez, là, je vais pouvoir connecter directement sur cette carte électronique qui va gérer des disques IDE ou SATA, ou vous avez aussi des cartes électroniques qui ne gèrent soit que SATA, soit que le IDE pour les plus anciens. Bon, je vous conseille de prendre un plus ancien, un boîtier qui traîne dans votre stock. Gardez toujours en un de côté parce que ça peut être toujours utile, ou alors gardez plutôt ce genre de contrôleur de disque où il gère le SATA et l'IDE. Voilà. Donc moi, le but, c'est de vous montrer qu'avec ce genre de lecteur et en créant ensuite un petit boîtier avec votre imprimante 3D, que j'ai pas encore eu le temps de faire, bien sûr, mais c'est un projet très facile à faire, hein. Il suffit de faire un boîtier d'une certaine hauteur pour imbriquer ça, l'électronique derrière et une prise d'alimentation pour alimenter ce contrôleur et le lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, lecteur graveur. Donc, vous voyez là, on a une prise USB. Donc, on pourra le connecter par la suite vers un ordinateur en USB. Hein? Donc, c'est pour ça, c'est très facile. Ça nous fait notre lecteur externe. Il nous faut juste la rallonge du ouais, vous voyez. Tout est présent normalement dans ces kits. Ces kits-là, vous pouvez les trouver pour les plus anciens, hein, entre 5, 6 euros, 10 euros. Ça se trouve à ce prix-là. Et vous avez toute l'électronique pour pouvoir travailler sur du matériel que vous avez chez vous. Donc c'est pas très cher au niveau de l'acquisition du matériel. Tout le reste, c'est de la récupération pour vous ou pour créer un boîtier. Vous utilisez un boîtier existant ou vous le créez vous-même en boîtier 3D. Donc là, je vous montre qu'ici, vous avez votre connectique pour brancher l'alimentation. Donc ici, en USB, pour connecter, c'est pas l'alimentation, c'est l'USB pour connecter à l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est pour le transfert de données. Et ici l'alimentation. Donc il suffit de vérifier quel genre d'alimentation vous avez besoin.
Bon, sur ce disque-là, c'est du 12 volts. Donc vous voyez, il faut vraiment l'alimenter en 12 volts. Après, l'électronique va gérer le dispatch entre du 12 volts, du 5 volts et la masse. Donc en 12 volts ici, et vous aurez tout ce qu'il faut pour alimenter ce lecteur externe. Moi, si je donne un exemple pour les disques durs, on est en 12 volts et 2000 mAh, donc 2 ampères. On est en 12 volts et 2 ampères, c'est un minimum. On pourrait utiliser du 2-3 ampères, et pour certains disques durs d'ailleurs, c'est même un petit peu conseillé. Bon, c'est-à-dire qu'une alim de 12 volts avec 12 ampères, et en tenant compte bien sûr, toujours tenir compte de l'information qui est écrite ici, mince, je ne vous le montrerai pas, toujours tenir compte de l'information quand vous utilisez un autre transformateur qui génère du 12 volts, toujours tenir compte de cette information. Là, ici, le plus est au centre et le moins est à l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez du plus en 12 volts et là, vous avez la masse en extérieur. Voilà. Vous avez ce genre-là. Vous avez d'autres alimentations inversées et si c'est le cas et que votre lecteur accepte et que vous avez ça dans votre stock en 12 volts et en inversé, il suffit, vous savez, de couper votre connectique et d'inverser le câble et de bien l'indiquer sur le cordon pour ne plus faire l'erreur. Ça, c'est des petites bidouilles qui peuvent servir à tout le monde. Donc ici, très simple, on récupère cette plaquette électronique, qui est le contrôleur IDE SATA. On le connecte derrière le disque dur. On met ça dans un boîtier. Et vous avez votre lecteur graveur DVD-ROM en externe. Voilà. Alors, l'autre option possible avec ce lecteur, si vous n'avez pas d'adaptateur comme ceci, vous trouvez ça sur Internet. C'est pareil, ça vaut 4-5 euros. C'est un contrôleur USB et d'un côté, vous avez deux formats. L'IDE pour les petits disques durs de 2,5 et là, l'IDE pour les disques durs de 3,5. Donc, c'est un petit contrôleur qui gère tout. Et là, vous voyez, vous avez aussi le SATA. Donc, il contrôle tout. Ce que vous pouvez faire avec ce genre de petit adaptateur qu'on trouve un peu partout sur le net. Ici, j'ai un gros disque, donc... C'est un lecteur standard 3,5, comme les disques durs 3,5, je le connecte là. Et là, ça, j'ai déjà mon contrôle direct vers le PC. Donc là, je peux envoyer des données, lire des CD, Windows reconnaîtra tout ça, Linux, Android, enfin Android, j'en sais rien, mais Linux et Windows, il n'y a pas de souci, tout sera reconnu. Ce qui manque ici, il vous manque l'alimentation. Donc souvent, vous avez des kits qui vous livrent le cordon d'alimentation, qui va vers soit un connecteur... Alors attendez, je vérifie. Ouais, ça c'est l'inverse, c'est pas le bon. Donc il nous faut un connecteur d'alimentation qui prend... Voilà, il faut qu'il vienne d'ici et qui va directement sur une alim. Mais le plus simple, c'est d'utiliser une petite alim ATX que vous avez dans un coin. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous avez du matériel comme ça de récup, boîtier ou contrôleur que vous avez acheté à 4-5 euros, vous branchez une alim ATX et vous mettez tout ça dans un petit boîtier. Ça vous fait votre lecteur externe. Il est un petit peu gros, mais c'est viable. Voilà. Donc ça, c'est un choix. Là, automatiquement, de toute façon, pour ce lecteur, il nous faudra du 12 volts, du 5 volts. Donc, il vous faudra une alimentation ATX puissante ou alors vous bidouillez comme je faisais sur mes nano-ordinateurs et mes ordinateurs vintage, Amstrad, etc. C'est de créer le connecteur qui va vers une alimentation ATX ou vers une alim 12 volts. Et 12 volts, non. Non, pas 12 volts, parce qu'il me faudra aussi du 5 volts. Donc, je vous conseille quand même une petite alim ATX. Ou alors, certains boîtiers disques durs anciens, ceux-ci, ont deux types d'alimentation à l'intérieur. C'est-à-dire que le connecteur possède 4 broches, dont celle pour le 5 volts et celle pour le 12 volts. Donc, c'est viable aussi avec ces vieux contrôleurs de disques externes. Ces boîtiers de contrôleurs IDE externes, les plus anciens. À vous de bidouiller, à vous de trouver une solution pour pallier au manque de telle ou telle chose. Là, quand vous avez ce genre de matériel, moi j'avais même fait une sortie câble d'un ordinateur, d'une tour PC pour brancher directement l'alimentation ATX du PC. Mais si c'est sur un ordinateur portable, vous n'avez pas le brancher sur le portable, il n'y a pas suffisamment d'énergie. Donc, une petite alim ATX à côté et vous branchez ça dessus. Voilà. Donc j'en ai fini avec ça. Maintenant, je vais passer au plus intéressant, entre guillemets, parce que ça, c'est un projet viable comme un autre. Donc je vais passer à un autre projet qui est tout aussi intéressant.
Alors voilà, c'est quoi? Je vous avais dit tout à l'heure. Je refilme, voilà. C'est un lecteur DVD graveur d'ordinateur portable. Moi, j'en possède plein. Et ça m'embête de ne pas les utiliser. Donc là, j'ai récupéré la coque de fixation pour le mettre sur un PC. Ou voilà. Donc ça me permet quand même de le maintenir si j'ai besoin. D'abord, déjà, il est droit. Et ensuite, ça me permet... Voilà, je pourrais le fixer où je veux dans un boîtier. Il faudra que je le modifie. Ça me gêne de toute façon. Donc ça s'enlève. Qu'est-ce qu'il me faut pour ce lecteur? Donc moi j'ai fait mes petites bidouilles bien sûr, et je vous avais déjà montré en vidéo une de mes bidouilles. Donc je l'enlève, je vous montrerai ça après. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour alimenter cet ordinateur, ce lecteur? Vous pouvez faire comme tout à l'heure, le contrôleur de disque dur, là, le boîtier externe, et utiliser l'électronique de ce boîtier pour le brancher derrière. Utiliser la lime de ce boîtier, j'en reviens donc à ça. On peut faire exactement la même chose. Voilà, on utilise l'alimentation, le câble USB, et on utilise, j'en reviens, voilà, j'utilise l'électronique interne que je branche directement. J'ai juste à récupérer l'électronique interne, le brancher derrière, faire un petit boîtier pour ça, et après j'ai toute la connectique. J'ai l'alimentation, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire pour pouvoir connecter ce lecteur et le rendre disponible rapidement et fonctionnel. Voilà, ça c'est un choix, vous pouvez faire comme ça. L'autre choix que j'ai, et qui est possible de faire aussi, c'est comme c'est un lecteur qui consomme moins d'énergie, il y a moyen de bidouiller et de trouver une autre façon de l'utiliser. Pour ce lecteur de DVD d'ordinateur portable, on peut utiliser soit le boîtier externe et on a tout ce qu'il faut pour le connecter, l'alimentation, etc. Si on veut bidouiller un peu, on peut utiliser pareil cet adaptateur qui vaut 4-5 euros. On le connecte derrière en faisant attention au sens de branchement. Oui, c'est pas le même, donc il faut... Voilà, il faut bien l'installer. Voilà. Là, j'ai utilisé quelque chose que vous ne voyez pas forcément, mais il est là. C'est un convertisseur. On trouve ça... à 1 euro sur internet. Je vous montre celui-ci parce qu'il est très très vieux, mais comme il n'y a pas de carte de contrôle dessus, normalement j'ai pas de puce, j'ai rien du tout, donc normalement c'est juste une information qui passe, c'est juste une conversion du connecteur qu'on a là derrière le lecteur DVD, je vais vous le défaire, je vais vous le montrer, vers un connecteur SATA, vers un connecteur IDE. Je vais vous montrer ça. Alors, j'en reviens au lecteur, donc je ne m'étais pas trompé, vous voyez là, j'ai même marqué, il vient d'un ordinateur Asus qui était en panne. Donc, c'est bien noté, power supply, DC 5 volts. Donc, il suffit de faire la bonne connectique avec ça pour l'alimenter en 5 volts. Donc, mon projet est viable à ce niveau-là, mais toujours vérifier en combien il fonctionne. Ici, donc, c'est bien noté 5 volts. Donc, je pense que tous les lecteurs, je viens de regarder sur internet, même les lecteurs SATA fonctionnent sur 5 volts. Mais toujours vérifier. Maintenant, je vous montre ce petit. C'est juste un adaptateur. Hein, c'est pas un transformateur ou. C'est juste un adaptateur. On pourrait dire un changeur de genre. Je vais perdre les petites pattes. Voilà, je les ai perdues. J'en ai perdu une, faut que je la retrouve. C'est pour la fixation. Donc je vous montre ça. Voilà. Voyez, le lecteur de CD-ROM, de DVD, CD-ROM. Il y a de la poussière. Ont ce genre de connecteur là. Donc pour pallier à ça, moi c'est de la récup qui date de quelques années. Et on trouve ça sur le net. Donc ce genre d'adaptateur, vous le trouvez sur le net qui permet de convertir, pas de convertir. De mettre juste d'adapter donc ce connecteur là, je n'ai même pas le nom en tête, si je le trouve je le mettrai sur mon site, vers un IDE standard ou vers un SATA. Voilà, donc je vais le reconnecter, je vous remonte ça. Voilà, c'est juste un adaptateur. Il en existe de différentes versions en fonction du type de connecteur qui est présent sur le lecteur DVD ou CD-ROM. Voilà. Là, c'est pour le casque, donc l'audio. Là, c'est l'alimentation. Et là, c'est le connecteur IDE. Vous avez aussi le connecteur SATA. Ça existe. Voilà.
je remonte tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai remonté, j'ai retrouvé. C'est des petites pastilles qui sont là en plastique. Parce qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait le bon écartement de chaque côté. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut, c'est serré. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai cette version-là. Donc soit, comme je vous dis, j'utilise un boîtier externe de disque dur et je récupère l'électronique et j'ai tout ce qu'il faut au niveau alimentation, au niveau câblage pour intégrer ça et le mettre dans un boîtier que je devais normalement créer depuis 2-3 mois sur mon imprimante 3D et je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'en suis toujours à ces projets que je mets de côté, qui sont de côté, que je ferai prochainement. J'ai même un projet d'alimentation ATX avec des voyants LCD qui me donne le voltage, où on puisse changer le voltage, etc. C'est encore un projet où j'ai toute l'électronique et tout ce qu'il faut pour le faire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Voilà. Donc ça, j'ai ce petit connecteur, donc c'est l'autre option. C'est ce petit convertisseur, là c'en est un, c'est un convertisseur, puisqu'il va passer de l'IDE vers une prise USB, donc pour les données, vers le PC. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est l'alimentation. Je vous avais fait, vous regarderez dans mes vidéos, c'était le petit projet que j'avais fait pour alimenter en 5 volts. Donc vous voyez, on ne se trompe pas au niveau du fil, c'est toujours la même position, mais on doit toujours vérifier avec la connectique des... Moi, j'avais utilisé ça, c'est une clé USB qui récupère du 5 volts en 500 mA pour de l'USB 2. Donc c'est suffisant pour alimenter ce genre de lecteur. Voilà. Donc ce qu'il faut faire par la suite, c'est connecter le bon câble. En faisant bon, les nouveaux contrôleurs que vous achetez sur le net, hein, vous aurez les indications. Donc, bon, vous voyez que mes tutos sont brouillons, que j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça avant. Ici, donc pour moi, je vérifierai quand même, hein, pour être sûr, puisque moi j'ai pas d'indication. Mais ça devrait être mon connecteur audio ici. C'est bizarre, ça me surprend parce qu'il est droit. C'est du côté de la lime. Parce que si je regarde ça, voilà, j'ai pas le même connecteur. Et ici, j'ai l'autre connecteur. Mais ça, c'est à vérifier, j'en suis pas sûr. Donc je vérifierai ça avant de faire la vidéo, avant de finaliser cette vidéo et mes bidouillages pour vous dire. Donc ce que je peux dire, c'est voilà, vous avez la lime, vous avez un connecteur IDE, l'alimentation. Donc c'est indiqué sur les nouvelles platines. L'alimentation d'un côté et de l'autre côté le connecteur pour l'audio. Vous branchez ça donc sur un PC ou un adaptateur USB de 5 volts hein, que vous connectez ici par exemple comme ici ou ici. Ça dépend où est le 5 volts et l'audio. Il faut que je vérifie, il faut que je le démonte et je verrai ça après. Donc il faut connecter l'alimentation sur cet adaptateur, le connecteur SATA. Voilà, l'alimentation, le câble audio, si on a besoin. On fait son petit boîtier 3D. Et vous avez un lecteur externe d'ordinateur portable qui peut fonctionner sur n'importe quel ordinateur, puisqu'il fonctionnera en 5 volts. Donc sur un port, vous pouvez faire deux connectiques en port USB, une pour recevoir les données et l'autre pour l'alimenter. C'est mieux d'ailleurs, comme ça, ça n'utilisera pas les 500 mA sur une déconnectique. Voilà, ça c'est des projets. Bon, il faudra que je vérifie quelle est la connectique de l'audio et de l'alimentation sur ce lecteur. Mais voilà, c'est des projets que j'avais en cours. J'en ai d'autres en cours. J'ai toujours pas commencé, je n'ai toujours pas débuté. Je n'ai pas créé ces boîtiers, etc. Les boîtiers avec mon imprimante 3D. Mais bon, je préférais vous en parler et faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut toujours continuer à récupérer du matériel, à l'adapter pour faire ses propres montages. Voilà, à très vite sur casman.fr et sur mon site casman.fr et sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est ce que je vous avais dit. Ici, c'est l'alimentation. Et là, c'est pour connecter de l'audio. Pour faire une sortie audio.
Donc ne pas se tromper, j'ai vérifié le circuit derrière, j'avais juste une pin qui allait vers le plus et tout le reste était à la masse. Donc c'est bien ça, c'est vraiment du 5 volts. Et comme on a vérifié sur le lecteur, c'était bien noté 5 volts. Là je vais le brancher, vous allez voir, juste avec mon petit bidouillage clé USB, avec du voltage juste le 5 volts. Et je regarde devant. Voilà. La lumière s'est allumée, mais vous ne l'avez pas vue, donc hop. C'est assez rapide, mais vous voyez, on voit bien la lumière. Hop. Mince.